Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce lundi 18 septembre, le président de la République reçoit à sa résidence à New York son homologue palestinien. Rencontre à la veille de l'ouverture de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. L'occasion pour Mahmoud Abbas de saluer une nouvelle fois le soutien d'effectifs de l'Algérie à la cause palestinienne. L'Algérie qui appelle à la consolidation de l'action arabe comme pour renforcer la stabilité financière, booster la croissance économique et améliorer la qualité de vie des citoyens arabes. Appel réitéré à l'ouverture hier des travaux de la 47e session ordinaire du Conseil des gouverneurs des banques centrales et institutions monétaires arabes. Les soldats du feu qui ont pu venir à bout de la majorité des incendies déclarés dans plusieurs wilayas du pays ce week-end. Les efforts restent concentrés sur 12 autres, notamment à Tizi Ouzou, Béjaïa, Djigel et Skikda. Aucune perte en vie humaine n'est signalée. Et puis les agents de la protection civile à pied d'œuvre toujours en Libye. 57 corps durant la journée d'hier, 92 corps retirés depuis le début des opérations. Nous sommes à J-1 de la rentrée scolaire pour 11 millions d'élèves. Programme allégé cette année. Le ministère de l'Éducation nationale annonce la modification des horaires hebdomadaires pour le cycle primaire. Et puis sport, Champions League africaine de football. Entrée en matière réussie pour le Shabab de Brisbane qui s'est imposé à l'extérieur au Sierra Leone face aux Bo Rangers sur un large score, 3-1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Direction New York pour l'entame de cette édition. Le président de la République reçoit à sa résidence son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Cette rencontre à la veille de l'ouverture de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU prévue demain. C'est la première d'une série de rencontres contenues dans l'agenda du président de la République. À l'issue de cet entretien, le président palestinien a tenu à saluer une nouvelle fois le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne. Mahmoud Abbas. تشرفت بلقاء فخامة الرئيس وهذه ليست المرة الأولى وإنما التقينا أكثر من مرة وتحدثنا في الشؤون العامة والخاصة وبالذات القضية الفلسطينية التي نعرف موقف الجزائر تاريخيا من هذه القضية وأقول بصراحة الجزائر تاريخيا منذ الأزل وهي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني تؤيده ظالما أو مظلوما هذا الشعار الذي رفع في الجزائر في يوم من الأيام لا زال مطبقا إلى يومنا هذا الجزائر تعتبر أن الشعب الفلسطيني تحت أي ظرف هي معه تؤيده وتدعمه وبالتالي نحن نعرف هذا وأؤكد بأننا لم نحتج شيئا إلا وكانت الجزائر سباقة في تقديمه للشعب الفلسطيني. Et ont assisté à cette rencontre du côté algérien le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf et le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies Ammar Benjamaa. Du côté palestinien, c'était le ministre des Affaires étrangères Riyad El-Maliki et le représentant de l'État de Palestine auprès des Nations Unies Riyad Mansour. Pour rappel, le président de la République est à New York depuis avant-hier. Le chef de l'État prendra part aux travaux de la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Il y prononcera d'ailleurs un discours lors du débat en présence de ses pairs. Demain, mardi, le chef de l'État rencontrera ses homologues étrangers et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une assemblée générale durant laquelle sera évoqué les grands défis auxquels est confronté le monde par ces temps de turbulences géostratégiques, géopolitiques, de crise économique et financière, d'où l'impératif d'une démarche concertée au profit de tous. C'est le credo d'ailleurs qui a toujours animé l'Algérie dans ce cadre, rappelant l'appel réitéré par le Premier ministre hier à l'ouverture de la 47e édition des gouverneurs et responsables de fonds monétaires arabes. L'Algérie appelle à la consolidation de l'action arabe commune pour renforcer la stabilité financière, booster la croissance économique et améliorer la qualité de vie des citoyens arabes. Le compte rendu de Limbo Kadoma.
La consolidation de l'action arabe commune implique des réformes structurantes, des réformes qui visent à consolider les économies des pays arabes, travailler en étroite collaboration et adopter une politique efficace pour diversifier les ressources financières. En ce sens, le gouverneur de la Banque centrale de l'Irak, Ali Mohsen Ismail, précise que l'Algérie a engagé des réformes importantes pour consolider son économie. La coopération entre États, la coordination des positions et la possibilité d'avoir de nouvelles ressources financières pour l'avenir doivent passer par une restructuration et diversification des activités économiques, à l'instar de l'Algérie qui a entamé aujourd'hui des réformes structurelles dans certains secteurs pour diversifier son économie et attirer les IDE. Et l'Algérie a des potentialités énormes pour diversifier et améliorer son économie. La hausse des taux d'intérêt a impacté négativement l'endettement extérieur qui alourdit les économies de certains pays arabes dont la dette générale dépasse les 360 milliards de dollars. Il s'agit de trouver des mécanismes pour la stabilité financière de ces pays. Marwan Al-Abbassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie. Si vous avez un endettement élevé et que vous avez un taux d'intérêt qui augmente, ça va impacter directement aussi le taux d'endettement et la capacité de payer des pays, certainement ceux qui sont dans une situation compliquée parce qu'ils ont des problèmes d'endettement et ils n'ont pas de ressources extérieures, vont être dans une situation encore plus difficile que les pays qui n'ont pas d'endettement, ce qui est le cas de l'Algérie aujourd'hui. Promouvoir l'inclusion financière des États arabes pour un développement économique inclusif et durable, relever les défis socio-économiques des enjeux de l'heure pour les États arabes. Et sur le front des incendies, les soldats du feu ont pu venir à bout de la majorité des incendies qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas du pays durant le week-end. Les efforts restent concentrés sur 12 autres, notamment 3 dans les wilayas de Béjaïa, Tizi Ouzou et de Hadjidjel et Skikda. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée selon le dernier bilan. Feu complètement également éteint après les secours engagés suite à un incendie qui s'est déclaré dans un atelier de maintenance de l'ETUSA situé à Ussendé, à G9 bus était en feu, dont certains étaient en séparation, en réparation dans cet atelier. 15 bus ont été épargnés. Les agents de la protection civile qui sont toujours à pied d'œuvre en Libye durant la journée d'hier, les éléments de la protection civile ont pu retirer 57 corps, ce qui fait un total de 92 corps retirés par la protection civile depuis le début de ces opérations. Le point avec le lieutenant Youssef Abdat, contacté par Hassan Shamash. من بين مناطق العمل منطقة درنا الشرقية على الشاطئ الصخري التي تم انتشال العدد الأكبر بها وتمتاز هذه المنطقة بتضاريسها الوعرة وصعوبة الوصول إليها ناهيك عن اضطراب البحر والأمواج العاتية وارتفع العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية العملية إلى 92 ضحية. Et nous vous disions en titre, J-1 avant la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation donnera le coup d'envoi à partir de la wilaya d'Albayad depuis Naama et Soukharaz dans l'après-midi. Plus de 11 millions d'élèves rejoindront leurs établissements demain, mardi, et ce à la lumière de nouvelles mesures organisationnelles et pédagogiques visant à assurer une éducation de qualité. Sophia Boukacha. Une rentrée scolaire marquée par les nouveautés et les améliorations, notamment celles liées à l'organisation et aux préparatifs. C'est là qu'on évoque les dernières orientations du président de la République données au département de l'Intérieur pour prendre toutes les mesures nécessaires, même celles liées au financement des écoles primaires dans certaines localités défavorisées, et cela pour garantir une rentrée scolaire réussie. Le plan pédagogique verra lui aussi de nombreux développements, recrutement de plus de 12 000 enseignants formés et autres contractuels pour dispenser des cours d'éducation sportive, des cours d'anglais qui sera instauré en quatrième année primaire cette année, où également un livre relatif à cette matière a été imprimé et distribué. Cette rentrée scolaire verra également l'adoption d'une approche pédagogique nouvelle pour remédier aux difficultés des élèves de première année moyenne. D'ailleurs, selon les responsables du département de l'éducation, une base de données définissant la nature des difficultés rencontrées par ces élèves a été élaborée.
Parmi les autres mesures prises par le ministère de l'Éducation pour cette nouvelle rentrée, l'élargissement de l'utilisation des tablettes en équipant 12 000 nouvelles écoles primaires sur tout le territoire national, et cela en plus des 1 629 écoles équipées l'an dernier. Rappelons que plus de 11 millions d'élèves sont concernés par cette rentrée, encadrés par plus d'un demi-million d'enseignants au niveau de 30 000 établissements scolaires. Et l'actualité, c'est également ces instructions fermes données par le ministre de l'Agriculture à l'adresse des directeurs des coopératives de céréales. Abdelhafid Hani souhaite inonder, je cite, le marché national en différentes légumineuses de manière urgente et à des prix fixes. Il s'est réuni hier avec les 52 directeurs des coopératives des céréales et des légumineuses du pays et du directeur général de l'OAIC. Le ministre de l'Intérieur qui continue l'installation des nouveaux Wali Ibrahim Red a présidé hier soir la cérémonie d'installation du nouveau Wali de Sétif, Mustapha Limani, en remplacement de Mohamed Amin Deramchi. Et puis le ministre de la Communication qui s'est réuni hier soir avec les responsables et les directeurs des journaux nationaux, Mohamed Lagab, les a appelés notamment à la nécessité de s'orienter vers la transition numérique. Du sport pour clore les pages de cette édition, avec une entrée en matière réussie pour le Chabab de Belouizdad dans Champions League africaine de football. Le Chabab qui s'est imposé hors de ses bases au Sierra Leone, aux dépens des Bo Rangers sur un large score, 3-1 en Ligue 1, dernier match de la première journée. La JS Saoura a pris le meilleur sur l'US Biskra hier soir, 1-0, score final. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.